Bonjour à tous, ce mois-ci dans Campus Sport, nous rencontrerons d'anciens étudiants athlètes présents le mois dernier aux Mondiaux d'athlétisme de Pékin. Nous visiterons le centre médical des universités de Guangzhou et nous parlerons avec l'ancien président de la Fédération internationale de tennis. Enfin, nous reviendrons sur les très bonnes performances de la délégation tricolore à Guangzhou et évoquerons avec Stéphane Caron et Clément Lefebvre leur reconversion réussie. Pour débuter ce magazine, coup de projecteur donc sur ces héros de la FISU 2015. Ils ont écrit les premiers chapitres de leur histoire aux Universiades et ouvrent maintenant une nouvelle page dans leur carrière. 127 athlètes se sont ainsi retrouvés lors des championnats du monde d'athlétisme cet été à Pékin et ils ont remporté 31 médailles. Parmi eux, le champion du monde du lancer de marteau, le Polonais Paweł Fajdek, déjà triple champion des Universiades. Après l'or à Guangzhou, il a défendu sa couronne avec succès quelques semaines plus tard en Chine, malgré la concurrence. Autre légende de la FISU, la Britannique Jessica Ennis Hill, championne du monde d'heptathlon. Elle a débuté sa brillante carrière sportive lors des Universiades d'Izmir en 2005 et elle a décroché à Pékin son deuxième titre de championne du monde après Berlin en 2009. L'Allemande Katharina Molitor est devenue elle championne du monde de javelot pour la première fois de sa carrière. Sixième et quatrième lors des deux dernières Universiades, Molitor n'a cessé de progresser jusqu'à ce podium à Pékin. C'est ce dernier lancer qui lui a assuré la victoire finale. Et enfin, la surprise de ces mondiaux, elle est venue d'Anaso Jobodwana. Le Sud-Africain, médaillé d'or sur 100 et 200 mètres à Kazan, a également signé un chrono exceptionnel sur 200 mètres à Pékin, se rapprochant ainsi du Jamaïcain Usain Bolt. Il décroche le bronze en Chine. Nous sommes le jeudi 9 juillet 2015, Hugues Zango remporte la médaille d'argent du triple saut aux Universiades de Guangzhou. C'est la fête nationale au Burkina Faso, le sauteur africain vient de signer la plus belle page de l'histoire sportive du pays. Je suis très fier de moi parce que, en fait moi je n'y croyais pas, hein, mais avec, j'ai fait mon premier saut et puis je me suis rendu compte que c'était possible et que j'avais toujours la capacité d'avancer, ben, en fait, l'adversité, c'est formidable en réalité. Je me dis que en fait, sans les adversaires, c'était compliqué, quoi. Parce que je ne pensais pas, en tout cas, atteindre cette performance-là avant 2 ans comme ça. Mais c'est venu plus vite que prévu, donc je prends ça et puis je me prépare pour ce qui suit. En réalisant le meilleur triple saut de sa carrière, l'athlète burkinabé permet à son pays de gagner sa première médaille d'or dans une grande compétition internationale. Au pays, réellement, je n'ai jamais sauté 16 mètres. Au pays, je saute très ferme, à 15-50 et puis d'autres performances comme ça, parce que réellement, il n'y a pas de la concurrence en réalité. Ben, quand j'ai l'occasion de sortir, je fais toujours ma meilleure performance. Car la raison de son succès est assez simple, c'est loin de chez lui, dans les grands rendez-vous, que Zango parvient à se surpasser. Son ambition, limitée au Burkina Faso en raison du manque de structure, de matériel ou d'encadrement, est décuplée lorsqu'il est en compétition. À un certain moment donné, si l'équipement n'est pas performant, il y a forcément limitation de la performance. Or, dans nos pays, nous travaillons avec de très petits moyens. Et un sauteur comme ça qui a ce niveau de manque de compétition, sinon, obligatoirement, aujourd'hui, il est à 17 mètres et il n'a pas une très bonne paire de sauts. Alors, c'est une limite. Et quand on porte une chaussure, d'abord c'est des chaussures d'occasion que nous on achète. On prend, et puis c'est jusqu'à ce que la chaussure se déchire carrément parce qu'on va jeter. Hein. Sinon, on l'a toujours avec nous et puis faire avec.
Ça, c'est même pas mes chaussures, je les ai empruntées en fait, au pays pour pouvoir venir faire la compétition. Le triple saut est une discipline très violente pour le corps qui exige le port de chaussures spécifiques. Elles doivent bien soutenir le pied afin d'éviter toute blessure au niveau du point d'appui. Mais au Burkina Faso, difficile de se procurer ce genre de basket, surtout quand on est étudiant. J'ai eu la chance, après mon baccalauréat, j'ai eu une bourse d'études pour pouvoir aller dans une école d'ingénieurs, là, l'une des meilleures d'ailleurs de la sous-région, à Ouagadougou. Mais disons que côté scolaire, je suis assez content parce que chaque année, je suis le major ou le second dans ma classe. Puis c'est d'ailleurs pour ça même que mes parents me soutiennent. C'est d'ailleurs eux qui je ne vais pas dire financent, mais en tout cas, qui m'aident en réalité quand je dois m'entraîner, ben, quand il s'agit de l'essence, la moto, tout, on m'aide avec ces petits moyens-là pour que je puisse me rendre au stade. Et en dépit de ses moyens limités, Hugues Zango a réussi à marquer les esprits en réalisant l'une des plus belles performances des Universiades de Gwangju. En attendant mieux, qui sait? Je pense que ça me fait rêver, effectivement. Et là, réellement, mes ambitions commencent à se réaliser. Je pense que je vais aller encore plus loin. Et je vais aller encore plus loin. Hugues Zango, le champion burkinabé à Gwangju, ou le début d'une jolie aventure. Marquer l'histoire et laisser une empreinte, c'est aussi l'un des objectifs des Universiades. À Kazan, cet héritage est encore visible. Le centre aquatique et le stade construit pour les Universiades il y a 2 ans ont ainsi servi pour les mondiaux de natation cet été. Et les champions révélés à Kazan chez les jeunes ont même confirmé lors de ces championnats du monde en Russie. C'est le cas de Jenny Johansson, 5e sur 50 mètres aux Universiades de Belgrade. La Suédoise est devenue championne du monde de dos crawlé cet été sur la distance, confirmant ainsi que les Universiades restent un excellent tremplin pour ces athlètes étudiants. Quant à Laszlo Tché, il est aussi un parfait exemple de cet essor. Le Hongrois a tour à tour brillé aux Universiades et sur la scène mondiale, ajoutant à ses 3 médailles d'or des Universiades de Shenzhen une autre couronne dorée sur 50 mètres papillon et 2 autres encore lors de ces mondiaux, une en argent et une en bronze. Restez avec nous, dans un instant, nous vous ferons découvrir une initiative de la commission médicale de la FISU. Nous parlerons avec Francisco Ricibiti avant de faire un bilan de la délégation française à Gwangju et d'évoquer la reconversion réussie de 2 anciens champions de natation. International University Sports Federation brings together millions of students worldwide around the same values, excellence in mind and body. Thousands of students, hundreds of universities participate in FISU events, the rendezvous for the best student athletes. Today's stars, tomorrow's leaders. Campus. Depuis les Universiades de Kazan en 2013, la commission médicale de la FISU propose d'effectuer des contrôles médicaux sur les athlètes engagés sur la base du volontariat. Ce programme intitulé Test Your Heart se déroule sur le site même de la compétition. À Gwangju, les athlètes se retrouvaient donc dans la clinique du village pour un test totalement gratuit. C'est le centre de check-up cardiaque. Il y a 4 différents postes, dont le poste de contrôle avec quelques questionnaires. Les athlètes remplissent leur nom et différentes informations de base. On leur donne un numéro d'identification. Ils répondent oui ou non aux différents symptômes, de manière à ce qu'on sache s'il y a des antécédents familiaux en termes de maladies cardiovasculaires. Je pense qu'ils essaient d'avoir un spectre plus large concernant les cœurs des athlètes, de manière à ce que si quelqu'un a un problème, il puisse poser un diagnostic plus rapidement et obtenir de meilleurs résultats. À Gwangju, ce sont ainsi près de 2000 athlètes qui ont accepté de passer ces tests. On espère mieux prévenir les morts subites d'athlètes. La mort subite n'est pas un problème cardiaque ordinaire, mais ça reste la cause de décès la plus fréquente chez les jeunes athlètes universitaires. Nous croyons qu'avec une évaluation très large, on doit pouvoir détecter les athlètes à risque et les protéger. This is station number 2. Il y a un 2e poste où on mesure la taille et le poids.
avec un test pour évaluer l'excès de poids. Ça leur donne beaucoup d'informations sur l'indice de masse corporelle et des notions de base sur le poids. Et puis nous vérifions la pression sanguine et le pouls. Et c'est maintenant que débute le test cardiaque, le cœur du programme. Après le poste 2, c'est le poste 3, celui de l'électrocardiogramme. L'endroit est aménagé pour procéder à cet examen où on mesure l'activité électrique du cœur. On recherche les anomalies de rythme et tout ce qui peut paraître anormal pour un athlète. Bien qu'hésitant au début, les athlètes trouvent rapidement un intérêt à ces contrôles. Je pense que c'est normal d'avoir des hésitations quand on arrive ici. Ces athlètes se sont entraînés pendant des années, la plupart du temps pour des compétitions comme celle-ci. Donc ils peuvent ressentir un peu d'anxiété en venant ici pour participer à ces tests, en sachant qu'il y a une toute petite probabilité pour qu'on découvre une anomalie significative. Le quatrième poste, c'est l'échocardiogramme. C'est là qu'on étudie le centre externe du cœur. On regarde les fonctions cardiaques, des choses qui peuvent être normales pour un athlète, mais parfois anormales pour quelqu'un d'ordinaire. On regarde les images ultrasons, l'intérieur du cœur, la taille des cavités cardiaques, leur fonction, la fonction des valvules, etc., pour s'assurer que le cœur est apte à supporter la compétition. Pour de nombreux sportifs issus des pays en voie de développement, ce programme représente une opportunité rare de subir un examen cardiaque qui sera peut-être le seul de leur vie. On sait qu'un haltérophile a des caractéristiques cardiaques différentes de celles, par exemple, d'un coureur de 1500 mètres ou d'un marathonien. On sait que le cœur est différent et on regarde les différences dans le cœur de l'athlète, pas seulement en fonction de son origine, mais aussi de son sport. Et ces résultats sont d'autant plus intéressants qu'ils sont consultables dans tous les centres médicaux au monde. Après les tests, on leur donne tous les résultats sur une clé USB qu'ils peuvent brancher sur leur ordinateur pour avoir tous les résultats et toutes les informations les concernant. C'est sur votre carte d'identification avec toutes ces informations. Ce programme unique en son genre sera poursuivi lors des prochaines Universiades. Il était à la tête de l'une des plus puissantes fédérations au monde depuis la fin du mois de septembre, la Fédération internationale de tennis. Avec ses quatre grands chelems et ses compétitions internationales comme la Coupe Davis ou la Fed Cup, Francesco Ricci Bitti a présidé de nombreux événements. Mais après 16 ans de bons et loyaux services, Ricci Bitti tourne une page. Campus souhaitait rendre hommage à l'Italien qui a toujours favorisé les liens entre le monde de l'université et la FISU. Il y a beaucoup de raisons. La première, c'est personnel, un petit peu l'histoire. J'ai été un joueur universitaire, j'ai joué à l'université une longue fois. La deuxième raison, c'est une raison idéale. À mon avis, maintenant, le sport professionnel, il est extrémisé dans tous les sens, extrémisé physiquement, extrémisé comme instrumentalisation, si vous voulez, des garçons, des filles, qu'ils ne comprennent pas encore qu'est-ce que le travail qu'ils ont fait, qu'il est conditionné de la famille, du coach, et il y a des exagérations. Je pense que le sport, il est bien si vous avez des autres choses qui mènent d'équilibre. Et l'étude, c'est l'équilibre. Pour cet ancien joueur de tennis, les études restent irremplaçables et même indispensables, surtout si l'on souhaite effectuer une carrière sportive. Sans ces diplômes, Francesco n'aurait peut-être jamais atteint ses fonctions dans le sport. Quand j'ai été élu, j'ai pensé que mon expérience de bon joueur de tennis et de sportif serait le plus important. Je dois accepter que je me suis trompé. L'expérience plus importante, il était l'expérience de business et qu'il vient de l'éducation. Le tennis est l'un des sports les plus individualistes et les plus professionnalisés au monde. Mais alors que des milliers d'hommes et de femmes jouent professionnellement de par le monde, ils ne sont réellement que quelques centaines à pouvoir s'assurer un avenir grâce à leur passion. Ce n'est pas la responsabilité seulement des garçons qui arrivent à être Federer ou Nadal ou Djokovic. Notre responsabilité, c'est pour les 99% des restes des joueurs. Et nous devons s'occuper. Et s'ils sont des personnes équilibrées, ils sont très utiles à notre sport. Et je ne parle pas seulement du sport, mais dans notre monde, des personnes qui sont l'équilibre et qui sont fait une expérience sportive comme une expérience positive.
Le sport à l'université offre de nombreux avantages à ses pratiquants. En tennis, il propose notamment le plus grand tournoi international étudiant-professionnel, l'occasion de découvrir un tournoi différent de ceux qui existent sur le circuit. D'ailleurs, les universiades ont toujours eu beaucoup d'impact sur le tennis professionnel, à l'image de Guangzhou. Ici, vous avez, j'allais dire, des joueurs, des compétiteurs qui viennent de l'Ouganda, de l'Ouzbékistan, de différentes parties du monde. Et de se retrouver ici, de jouer, à mon avis, c'est quelque chose qui est une très, très bonne chose. Alors évidemment, il y a des niveaux différents de jeu, mais aussi, c'est un petit peu ça, les universiades. Hein. Il y a, je dirais, cette possibilité également de pouvoir partager des passions avec des étudiants d'autres sports. Je crois que les Jeux Olympiques, les universiades sont là pour rappeler que le tennis est un sport parmi d'autres et que ça permet d'ouvrir, je dirais, l'esprit à ces jeunes. Donc ce n'est que du bonus. Et Francesco Ricciabiti quitte la Fédération internationale de tennis, mais il va prendre la présidence de Sport Accor, l'association des fédérations internationales sportives. Il aura quand même un œil sur le monde du tennis, et notamment sur les universiades. Les personnes de FIJU, ils font beaucoup d'attention aux choses. Ils font regarder les calendriers. Les calendriers, c'est une clé pour avoir les meilleurs athlètes participants ou non. Faciliter la participation, si possible, et promouvoir dans les pays. Le sport universitaire, je pense que ce sont les trois clés. Restez avec nous dans la dernière partie de Campus Sport. Nous ferons un bilan des performances françaises à Guangzhou et nous évoquerons avec deux anciens champions de natation leur reconversion réussie dans la finance. Education meets sport and culture. On your mark. What best promotes excellence in mind and body? Where do friendship, integrity, and achievement meet? Which event gathers the best student athletes from around the world? The Universiade, the home of international university sports. Today's stars, tomorrow's leaders. De retour dans Campus pour la troisième partie avec l'équipe de France des Universiades de Guangzhou. Elle a été reçue par la ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Najat Vallaud-Belkacem, l'occasion de lancer l'année du sport à l'université. Les 228 étudiants participants ont rapporté 30 médailles de Corée et pour la ministre, ces athlètes sont surtout des modèles pour la société. On est dans une époque où on manque un peu de héros. Et donc, avoir des héros comme ceux-là qui soient capables de donner le goût du travail et de l'effort, c'est formidable. Avec 13 médailles d'or, 9 médailles d'argent et 8 en bronze, la France a terminé 6e du classement des médailles derrière la Corée du Sud, la Russie, la Chine, le Japon et les États-Unis. Et le président de la Fédération du sport universitaire a son idée sur les raisons d'un tel succès. On a une jeunesse de qualité, une structuration de fédération qui est parmi les 4 meilleures au monde, peut-être la première, et aussi une excellente collaboration avec les fédérations monosports civiles. Et donc l'ensemble fait qu'on crée une dynamique, tout le monde s'y met et on emporte tout. Et pour l'ancienne championne des Universiades, la judokate Frédérique Jossinet, c'est un autre élément qui explique ce succès. Je crois que c'est ce qui a fait aussi qu'à un moment donné, cette équipe de France aille encore plus loin, aille encore plus vite, saute encore plus haut. C'est cet esprit collectif qui est né à travers cette équipe de France universitaire. C'est Awa Kamara qui a offert à l'équipe de France sa première médaille d'or dans ses universiades en judo, dans la catégorie des moins de 78 kilos. L'étudiante en sciences de l'éducation se souvient de son émotion après la victoire, son meilleur résultat jusqu'à présent. Quand j'ai su que j'allais gagner, j'étais soulagée, j'étais contente pour tout le monde. C'était la première journée des championnats et tout le monde était content. Et enfin, il y avait une joie partagée à la fois dans les gradins et sur le tapis. J'avais envie de sauter.
Et ce sont les escrimeurs qui ont été les plus gros pourvoyeurs de médailles à Guangzhou avec 11 au total. En individuel, hommes ou femmes, à l'épée, au sabre ou au fleuret, les escrimeurs français ont largement contribué à ce record de 31 médailles gagnées. Le dernier record était de 8 seulement, c'était en 2003 à Daegu. Ça a été une fierté de représenter l'équipe de France à Guangzhou. Après, d'autant plus avec le titre à la clé, pouvoir représenter son sport et son arme sur un événement comme ça, c'est sûr que ça fait toujours plaisir et c'est une grande fierté. Londres est le cœur financier du Royaume-Uni et un centre de première importance pour le commerce et les affaires depuis le Moyen-Âge. L'essentiel de l'industrie de la finance londonienne se situe dans la City. Plus de 390 000 personnes y sont employées. L'une d'entre elles est l'ancien champion international de natation, Stéphane Caron. Je travaille dans le monde de la finance. Je suis responsable d'un fonds qui est un fonds de dette privée qui va investir dans les entreprises. Et je pense que le sport m'a appris à gérer les équipes, à donner du feedback, à comprendre ce qui motive les individus. Et donc c'est une boîte à outils. Sa passion pour les affaires et la finance est née très tôt. À l'âge de 20 ans, je commençais déjà à investir de l'argent en bourse. Quand j'étais en stage en équipe de France, il y avait un entraîneur qui s'intéressait à la finance. Je parlais souvent avec lui. Donc c'est vraiment très très tôt que j'ai eu cet intérêt pour le milieu de la finance. Et j'ai toujours eu envie de faire une carrière et toujours envie de travailler dans la City. Auparavant, Stéphane a été un des meilleurs nageurs français entre 1985 et 1992. À cette époque, le soutien des universités aux athlètes était rare et les choses n'ont pas été faciles pour suivre parallèlement ses études. Pour lui, il était hors de question de négliger le sport de haut niveau ou l'université. Je crois qu'il y a des périodes dans la saison, dans l'année, où on met un peu plus l'accent sur une discipline qu'une autre. Moi, en période d'examen, je mettais un peu le frein sur l'entraînement. À l'inverse, en période de préparation de grands championnats, je m'entraînais beaucoup plus. Moi, je savais que tout ça, ça allait aboutir à des choses extraordinaires. J'avais toujours eu confiance en moi. Et donc, je n'ai jamais eu de problème vraiment à faire ces sacrifices. Champion d'Europe en 85, médaillé de bronze aux Jeux de Séoul en 88 sur 100 mètres nage libre, Stéphane a aussi participé aux Universiades d'été de 91 à Sheffield, où il a été imbattable sur 50, 100 et 200 mètres nage libre. Pour le triple champion universitaire, cette compétition reste un des souvenirs les plus importants de sa carrière. En tant qu'universitaire, moi ça me paraissait tout à fait normal de participer à une épreuve d'envergure mondiale sur le plan universitaire. Et puis deuxièmement, je trouvais que les universiades, ça ressemblait un petit peu à des mini-Jeux Olympiques. Voilà, donc c'était une bonne préparation. Il n'y avait pas toute la pression, tout le stress qu'il pouvait y avoir autour des Jeux Olympiques. Le niveau sportif était excellent. Pour moi, c'était un peu un tremplin pour la suite. C'est ce qui m'a permis de me remettre en selle pour les Jeux Olympiques. Donc c'était vraiment une étape importante dans ma carrière. Juste après sa médaille de bronze sur 100 mètres nage libre aux Jeux Olympiques de Barcelone, Caron, qui venait de finir ses études, a commencé à travailler dans le monde de la finance. Il y a réussi également une grande carrière. J'ai eu la chance effectivement de pouvoir mener de front une carrière sportive de très bon niveau et d'avoir une carrière universitaire de haut niveau, et qui fait qu'aujourd'hui je suis pleinement épanoui dans ma vie personnelle et professionnelle. Maintenant, il a envie que son parcours sportif et professionnel puisse servir de modèle. Je pense que dans le sport, c'est important d'avoir des références, et dans le milieu professionnel également. Et donc, quelque part, si je peux rendre quelque chose et donner envie à des jeunes de faire du sport de haut niveau et puis de réussir ensuite leur vie professionnelle, quelque part, j'aurais réussi quelque chose. Poussé par sa passion pour le sport de haut niveau et la finance, Stéphane Caron est aujourd'hui un homme heureux. À quelques kilomètres de la City, à Knightsbridge, un autre nageur français a suivi les traces de Stéphane Caron, le champion olympique du relais 4x100 mètres aux Jeux de Londres en 2012, Clément Lefer. 3 ans plus tard, il n'est plus dans les bassins, mais devant un écran à scruter des courbes mystérieuses. Je fais de l'analyse sur pétrole, plus précisément. C'est-à-dire qu'on étudie un petit peu l'offre et la demande sur le marché pétrolier. Et voilà, on prend des positions spéculatives à la hausse ou à la baisse sur les prix du pétrole.
La finance, c'est un milieu qui est très compétitif et qui rappelle un petit peu la natation à haut niveau, hein, où il faut savoir être exigeant, se fixer des objectifs et travailler dur pour obtenir ce qu'on veut. C'est un stress un petit peu différent, hein, c'est des émotions un petit peu différentes, mais c'est vrai que ça reste un métier qui est très prenant et c'est un petit peu ce dont j'avais besoin après une carrière sportive et pour me maintenir motivé et passionné dans ce que je fais tous les jours. J'aimerais bien continuer à progresser et puis un jour avoir à manager mon propre portefeuille et être successful. Le fer qui est niçois d'origine n'aurait jamais cru que Londres puisse jouer un rôle important dans sa vie. Après son titre olympique, il a fait un master's en marché financier et il est revenu dans la ville de son sacre pour démarrer une nouvelle carrière. Je pense avoir une reconversion réussie. J'ai préféré arrêter la natation en 2012 après le titre de champion olympique avec le relais 4x100 parce que je pensais avoir accompli ce que je voulais faire et que j'ai toujours voulu avoir une seconde carrière après ça et voilà, c'est ce que je fais aujourd'hui. Clément Lefer a été recruté après les JO de 2008 par une université californienne où il a étudié l'économie et la finance jusqu'aux Jeux de 2012. Une expérience bénéfique pour la double carrière du champion d'Europe de relais 2010. J'ai vite décidé de partir aux États-Unis et j'ai pu, grâce à ça, maintenir un niveau d'entraînement plus ou moins professionnel, je dirais, et obtenir un diplôme de finance en même temps. J'avais envie aussi de voir le sport du côté américain. On dit souvent que les Américains, ils ont une culture du sport et une autre vision du sport, et c'est vrai. J'ai découvert ça là-bas et je pense que ça m'a aidé à mûrir énormément. En 2011, à Shenzhen, Clément Lefer découvre les Universiades d'été. Porte-drapeau pour la France, il a pris alors un très bon départ avec une première médaille sur le relais 4x100 mètres. L'étudiant de l'université américaine est en forme puisqu'il s'offre aussi l'argent en 200 mètres nage libre. Ses performances lui permettent de se qualifier pour les Jeux de Londres. Shenzhen a donc été un tremplin pour sa médaille d'or olympique. Pour réaliser ses rêves, Clément Lefer a également dû surmonter des moments difficiles au cours de ses études et de sa carrière sportive. Mais son message à l'intention des athlètes étudiants est clair. Il ne faut pas oublier que la vie est longue hein, et que la partie sportive, bien que très intense et magnifique, c'est éphémère. Et il y a une deuxième vie derrière et celle-ci, il ne faut pas la négliger. Et c'est pour ça que voilà, même dans les moments difficiles, il faut rester concentré, garder des objectifs et essayer de faire le mieux qu'on peut. Star aujourd'hui, leader demain. When education meets sport and culture, what best promotes excellence in mind and body? Where do friendship, integrity, and achievement meet? Which event gathers the best student athletes from around the world? The Universiade, the home of international university sports. Today's stars, tomorrow's leaders.